Bonjour à tous, tout le monde est prêt. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui est assez peu discuté dans les confs, en fait, qui sont un truc qu'on manipule tous les jours, qu'on doit traiter tous les jours, ce sont les erreurs, en fait. Je voudrais commencer par un petit sondage rapide. Qui est-ce qui a déjà poussé un bug en prod? Ok, alors, vous êtes vachement plus honnête parce que j'ai donné cette conf à Budapest il y a 2 semaines et personne n'a levé la main. Donc en fait, c'est tous des menteurs à Budapest. Ok, donc les Anglais ont tendance à dire que les merdes arrivent, mais l'essentiel, c'est de faire en sorte qu'elles ne touchent pas le ventilateur. Je vous laisse vous représenter l'image, voilà. Et en fait, la plupart du temps, ce n'est pas si grave. Bon, on a tous vu la licorne de GitHub, on a parfois tous vu l'erreur 500 de GitHub, on a tous vu la baleine de Twitter aussi. Donc, y a un certain nombre d'erreurs qui arrivent, parfois on n'arrive pas à les traiter, et puis on les affiche à l'utilisateur, et puis c'est pas si grave, c'est la vie. Sauf que, des fois c'est pas vrai en fait. On arrive sur certains cas où avoir une erreur non traitée, ça peut avoir des effets un peu catastrophiques. L'exemple que j'ai pris, c'est un exemple très connu, c'est le vol inaugural de la Ariane 5 qui a fini en feu. Et c'est une exception qui a coûté quand même 500 millions de dollars. Ça fait cher l'exception, mon caché. Dans le même type d'erreur, il y a un appareil de radiothérapie qui s'appelle le Terrac 25, qui a même causé la mort de patients en fait. Donc il y a certains softwares où avoir et exposer les erreurs n'est juste plus du tout acceptable. Alors pourquoi parler de ça et pourquoi ça m'intéresse? Ce talk en fait m'est venu après avoir vu 2 talks, un à la PyCon au mois de mars et un à EuroPython. Celui à la PyCon était Rethinking Errors de Bruce Ekel et celui de EuroPython était donné par Tarek Ziadeh qui a présenté un outil qui s'appelle Vorien. Et on reviendra sur la genèse de cet outil un peu plus tard dans la conf. C'est aussi inspiré de ma propre expérience en tant que software développeur où à partir du moment où on commence à dealer avec des stacks qui grossissent, où on commence à intégrer des librairies de ses petits camarades et aussi des librairies fournies par l'écosystème, on se retrouve avec un paquet d'erreurs potentielles à gérer. Et ces erreurs, on dit l'erreur est humaine. Et ce qui est intéressant, c'est la deuxième partie de la phrase qu'on ne connaît pas forcément, et c'est que persister dans l'erreur est diabolique. Donc on va essayer aujourd'hui de ne pas trop persister dans les erreurs. Donc il y a un antagonisme assez clair entre le fait de vouloir un software sans bug et le fait d'être humain et donc du coup d'en produire un certain nombre. Je voudrais mettre un statement assez fort aujourd'hui, c'est que je crois que designer son software sans réfléchir à la manière dont on va manager les erreurs va donner un mauvais software. Alors, comment on va pouvoir gérer toutes ces erreurs? Les langages de programmation qu'on utilise, que ce soit Python ou plein d'autres, nous donnent des outils qui vont permettre de gérer ces erreurs. D'abord, où est-ce qu'elles arrivent, ces erreurs? Partout. Et si on recule un peu, on se retrouve avec le problème du PEPCAC, le problème existing between keyboard and chair. Et on va construire un système sur un système qui est déjà existant. Et donc, on hérite des erreurs de nos camarades d'avant, on va en refaire un certain nombre, on va délivrer ça à d'autres personnes qui vont refaire un set d'erreurs, etc., etc., jusqu'à l'end user. Donc, il va falloir qu'on s'attache un peu à limiter toutes les erreurs qu'on va pouvoir propager partout. Avant d'aller plus loin, je vais dire 2-3 mots sur moi. Je suis lead développeur à Tiny Clues. Vous allez trouver mon compte Twitter ici, je posterai le lien des slides juste après cette conf. Donc, comment on peut indiquer qu'une fonction a retourné une erreur ou traiter ces erreurs? Basiquement, j'espère ne rien vous apprendre, on va avoir les return codes, alors les exceptions, et
quelque chose d'un peu moins connu, c'est l'erreur de contrôle monadique qui est utilisée dans les langages de programmation fonctionnels. Chaque langage a au moins deux de ces features. Il y a une feature qui est assez particulière, c'est les exceptions, puisque les exceptions est vraiment une feature du langage de programmation qu'on utilise. Les deux autres peuvent être plus ou moins toujours implémentées dans n'importe quel type de langage. Parlons un peu de C. Donc C est un vieux langage qu'on a tous plus ou moins approché. Dans C, les erreurs sont managées par des return calls, et uniquement par eux, ou par ERNO. Et aussi, on peut parler des non-local go-to, mais ça sort un peu du scope avec les setJump, qu'on pourrait comparer grossièrement à des exceptions, mais vraiment grossièrement. Donc, les return code. Bah, un return code, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction qui va retourner un statut particulier pour indiquer qu'une méthode a retourné une erreur. Donc, le truc sympa des return code, c'est que c'est vraiment bête à implémenter, quoi. N'importe quel développeur avec quelques semaines d'expérience est capable de comprendre comment ça marche et d'écrire une méthode qui retourne des return codes signifiants. Le mauvais point, c'est qu'ils peuvent être très facilement ignorés. C'est très facile à ignorer un return code. Et ils ne sont pas universels. Si vous utilisez un constructeur en C++, il ne peut pas retourner code d'erreur. Il vous retournera l'objet, point barre. Et ils ont besoin d'être souvent traduits. Quand vous avez un return code moins 1, moins 7, moins 18, moins 32, généralement ça ne vous parle pas, vous avez besoin de quelque chose pour traduire ce return code. Comme exemple, bon, c'est pas du C, mais quand vous avez un programme dans votre bash qui vous retourne une erreur, souvent le return code, vous avez besoin d'aller voir dans la page de man. Donc, ce que je considère, c'est que quand on utilise ce type de méthode, on se base sur une convention qui a été choisie par le développeur. Alors, un certain nombre de gens vont dire, c'est la documentation. Ouais, c'est la documentation, mais en fait, c'est une convention arbitraire que le mec a choisie et qu'il m'impose à moi, et bon, je suis obligé de la suivre. Donc, quand vous allez utiliser une stack complexe, avec tout un tas de gens qui n'ont pas la même opinion sur la manière dont on manage les erreurs, vous allez devoir manager tout ça et vous débrouiller. Et en fait, c'est assez difficile. Et en fait, ça revient à ça, en fait. Vous devez lire le putain de manuel et vous devez le lire sur toutes les méthodes, quoi. Et c'est usant, hein. C'est vraiment usant. Alors, dans Python 3.4, il y a Python enum qui va être implémenté, qui peut être une manière d'avoir des return codes un peu plus lisibles si vous utilisez des return codes sur les méthodes Python. Alors, en addition de tout ça, vous avez certaines méthodes qui peuvent retourner un return code qui ne n'indique pas forcément une erreur, mais un statut particulier. Donc c'est un teaser, j'en dirai un peu plus après, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis à peu près persuadé que chaque personne dans cette salle a utilisé ce type de fonction. Alors on sait, ils ont essayé d'implémenter autre chose qui s'appelle ERNO, qui est un registre dans lequel on va setter un flag pour dire j'ai eu une erreur, et cette erreur elle est de ce type-là, et donc le nombre d'erreurs est normalisé par une norme POSIX ou je ne sais pas trop quoi. Voilà. Donc, si on prend la référence C99 du C, j'ai mis en gras ce que le comité du C pense de ERNO. Donc, c'est however deficient. Ok. Donc, apparemment, c'est pas vraiment une solution. Ouais. C'est pas une solution dans son implémentation, mais aussi son usage est particulièrement difficile. Premier cas d'erreur classique, vous devez resetter ERNO systématiquement à chaque fois que vous voulez l'utiliser. Si vous ne le remettez pas à zéro avant d'appeler une méthode qui est capable de setter le flag, vous avez n'importe quoi peut-être dans ERNO. Donc vous devez le resetter à chaque fois que vous voulez l'utiliser. Il y a des méthodes qui peuvent mettre ERNO même s'il n'y a pas eu d'erreur. Donc vous devez checker le return code de la fonction, et ensuite, si ce return code indique une erreur, vous allez devoir checker ERNO pour savoir quelle erreur a été levée. Ça commence à devenir diabolique. Et si vous regardez en fait les pages de man de setLocal, Signal et toutes ces méthodes-là, vous allez vous rendre compte que ces méthodes-là, elles font un peu n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi, le comportement est expliqué clairement dans la page de man. Mais encore une fois, vous vous retrouvez dans cet usage-là. Donc, vous devez vous taper toute la doc pour savoir comment ça marche. Vous savez quoi? En fait, même Python a un module ERNO.
J'ai découvert ça en préparant un talk, je ne savais même pas. Donc ça contient juste un dictionnaire avec tous les return codes. Lisez la documentation, on sent que personne n'y a beaucoup d'intérêt, quoi. Parlons un peu de Go. Alors, dans les premières versions de Go, il n'y avait pas d'exception. Et les return codes étaient... Il y a un truc assez élégant, c'est que vous pouvez indiquer dans la signature de votre méthode ce qu'elle va retourner. Et là, si on prend la fonction open du module OS, vous voyez clairement que votre fonction open va vous retourner un file, descripteur, et une erreur. Ce qui est vraiment cool dans tout ça, c'est que Go n'implémente pas les tuples. Donc vous avez vraiment deux valeurs de retour. Donc vous êtes obligé, de quand vous allez appeler cette méthode, de mettre fd.r égale open de mon fichier. Et si vous n'utilisez pas votre variable r, en fait votre compilateur il va râler, il va chouiner. Si vous implémentez la même chose en Python, votre linter sera capable de râler de la même façon. Donc là, la signature de la méthode permet de voir assez clairement déjà qu'une méthode est susceptible de retourner une erreur, ce qui n'est pas forcément le cas quand vous allez utiliser d'autres types de signatures. En Python, est-ce qu'on pourrait être sauvé par les annotations? Donc c'est une feature qui a été introduite en Python 3, je ne sais plus exactement quelle est la version. Ça permet de définir un peu plus explicitement quels sont les types d'entrée et éventuellement les types de sortie d'une méthode. Je trouve que c'est pas très beau, mais c'est vraiment personnel. Et ce qui serait vraiment chouette, c'est que les outils de documentation automatisée prennent en compte ces annotations-là de manière un peu plus systématique pour générer la doc. Dans ce cas-là, ça pourrait commencer à avoir un réel intérêt. L'autre intérêt que je vois, c'est que sans être un typage, vu que ça force un peu à la concision en fait, pour éviter d'avoir des signatures de méthodes qui font 150 caractères de long, ça a tendance à limiter les abus de polymorphisme dans certaines méthodes. Voilà. Alors maintenant, passons aux exceptions. Le créateur du C++ a écrit un joli livre où il explique comment lui est venue la genèse des exceptions en C++, et il parle de Jim Mitchell, qui est un programmateur apparemment chevronné, qui aurait dit que terminer un programme est préféré à essayer de le résumer quand une erreur critique est rencontrée. Donc les exceptions en C++ ont été implémentées dans le but de vraiment terminer un programme et de sortir de sa boucle d'exécution le plus rapidement possible. Donc, il est admis que les exceptions doivent être utilisées dans des cas exceptionnels. Et oui, en fait, c'est de la palissade. Si on fait je ne vais pas m'attarder énormément, je pense que vous avez tous manipulé les exceptions, si on fait une synthèse assez rapide, c'est que les exceptions sont vraiment chouettes à utiliser quand votre système est... faut partir, quoi. Faut partir de là, faut aller jusqu'à la boucle à plante, ou même quitter le programme. C'est vraiment pratique dans ces cas-là. Le reproche qu'on pourrait leur donner, c'est que, étant une feature d'un langage, on pourrait s'attendre à ce qu'elle soit plus intelligente à partir du moment où vous faites du multiprocessing, c'est-à-dire que quand un fils raise une exception, que soit notifié tous les autres process pour effectuer une action synchronisée sur une exception. Et c'est pas le cas. Dans certains langages, si vous n'utilisez pas Python, si vous n'utilisez pas Ruby, mais du C++ par exemple, quand vous raisez une exception, vous avez intérêt à faire gaffe à votre mémoire, sinon ça leak vite. Et dernier point, c'est que les exceptions sont typées, et si vous voulez correctement catcher toutes les exceptions, ça vous demande un certain nombre de catch blocks qui peuvent être un peu polluants visuellement. Sur Go, le wording des exceptions a été un peu modifié par rapport à ce qu'on connaît. Ils utilisent les keywords panic and resume. Je trouve que ces deux mots-là sont clairement mieux choisis que ce qui est utilisé dans les autres langages. J'aime bien faire une analogie avec la vie réelle. Quand votre maison est en feu, vous pouvez entrer dans un mode panique, vous barrez chez vous, et éventuellement, le resume, c'est rien, parce que vous ne savez pas éteindre le feu d'une maison. Quand votre évier est bouché, vous pouvez rentrer en mode panique,
Et le résumé, c'est assez facile, c'est débouchage des pieds, voilà. Mais quand vous renversez un verre d'eau sur la table, c'est peut-être pas forcément la peine de rentrer dans un mode panique et de rentrer dans un book resume très compliqué. Donc, ce wording permet, pour moi, de un peu plus réfléchir à la manière dont on a tendance, nous, en tant que développeurs Python, à jeter des exceptions à tout va, en fait. Donc, c'est un peu le but de cette slide. C'est que les langages dynamiques aiment beaucoup les exceptions. En Python, la fin d'une itération sur un générateur est indiquée par une exception. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a des comportements assez inconsistants qui sont liés, en fait, à la vieillesse du langage, si je puis dire. Par exemple, quand vous avez reaché un end of file, vous n'avez pas d'exception, vous avez la string vide et vous devez traiter ce cas-là. Et généralement, les programmeurs abusent un peu de ces exceptions. Et souvent, les programmes, ça amène à quelque chose que j'appelle les Pokémon exceptions, en fait. Donc, une Pokémon exception, c'est ça. Voilà. Donc, vous faites accept, exception, pass. Ça sert à rien. Voilà. Alors, ça, pour l'anecdote, c'est du code dans OpenStack. D'accord ? C'est pas un bout de code que j'ai récupéré dans un projet pourri, quoi. Voilà. Je veux pas faire de bashing. En fait, c'est pas du tout l'objet, quoi. C'est vraiment un pattern qu'on rencontre partout. Donc, quand vous faites ça, au moins utilisez un context manager, parce qu'on peut vouloir les ignorer. Donc, vous avez un with ignore, vous dites les exceptions que vous voulez ignorer, et au moins, vous les loguez, quoi. Parce que là, il peut se passer un truc dans votre programme, peut-être sévère, peut-être important, voilà, vous n'en savez rien. Vous avez pris l'exception et vous l'avez jeté à la poubelle. Donc si on fait un petit summary des exceptions contre les return codes, savoir quelle exception ou quel return code et quelle est la valeur de ce return code va être retournée par une méthode, et c'est tout aussi difficile. Vous devez vous baser sur la documentation qu'on vous fournit. Et même si votre méthode indique clairement dans sa documentation qu'elle va réaliser une exception, ce qui est difficile avec les exceptions, c'est que la méthode d'en dessous peut aussi réaliser une exception, et vous ne l'avez peut-être pas catché, celle-là. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. L'avantage des exceptions, c'est que si vous voulez faire de la composition de fonctions, c'est beaucoup plus aisé qu'avec des return codes. Je ne suis pas un expert Java, mais Java a introduit des check exceptions pour indiquer clairement quelles sont les exceptions qui vont être retournées par une méthode. C'est très clairement pas utilisé. Si quelqu'un veut m'expliquer pourquoi, je suis preneur. Revenons au monde réel et à Python. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel est le comportement de socket.send? Donc socket.send, c'est facile, ça va écrire un certain nombre de bytes sur une socket. Sauf que maintenant, si on va dans la documentation, regardez cette phrase en gras. Vous êtes responsable de checker que toutes les datas ont été envoyées. Donc, en fait, quand j'ai vu le talk de Tarek Zadeh à EuroPython, ça a causé un outage de Firefox Marketplace quand ils l'ont lancé en prod, ce socket.send. Ils ne vérifiaient pas la valeur de retour, et du coup, dès qu'il commençait à avoir des connexions, ça s'est mal passé, en fait. Donc, un pattern un peu plus correct, donc on doit vérifier la valeur, et ensuite on doit, tant que tous les bytes ne sont pas passés, on doit boucler sur sa string et continuer à envoyer le restant dans sa socket. Donc, un pattern qui pourrait être correct est celui-là. Bon, il n'y a pas de select, mais bon, vous m'excuserez. Mais la documentation, là, elle n'explique pas ce qui se passe si subitement la socket elle est fermée. Et qu'est-ce qui se passe si la socket elle est fermée? En fait, il y a une exception socket.error. Voilà, donc je crois, ouais. Donc vous allez être obligé de rajouter un try except autour de ça. Et qu'est-ce qui se passe si total bad send, il stall, parce que du coup, vous n'arrivez plus à envoyer de données sur la socket. Mais en fait, je ne sais pas trop. Voilà. Donc, il y a quand même besoin la documentation n'est pas très explicite là-dessus. Et on n'est pas très aidé par les systèmes d'erreurs qui sont implémentés dans ce contexte-là, dans Python, mais en fait, c'est valable pour tous les langages. En diguant un peu au lot, puisque maintenant Google Code Search est mort, en fait, c'est assez simple de trouver du code qui ne vérifie pas la valeur de retour de socket.send. C'est même très simple. Heureusement aussi, c'est aussi très simple d'en trouver
des projets qui vérifient bien le retour de cette méthode. Donc, la leçon qu'on peut apprendre, c'est utiliser Sendall, c'est plus simple, ça le fait pour vous, et c'est gratuit dans la librairie standard Python. Ok, maintenant passons aux monades. Donc c'est souvent un truc qui fait un peu peur quand on attaque la programmation fonctionnelle. Ça m'a fait même très peur. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec ce genre de définition. Alors, pour aborder un peu les monades plus simplement, en fait, il faut avoir quelques définitions. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une fonction high order ? Donc, c'est une fonction qui va faire l'un des deux, donc soit prendre une fonction en input, soit être capable de outputter une fonction. Pour avoir une définition d'un functor, donc c'est un functor, c'est un type constructeur qui va supporter la composition identité. Pour ça, pensez à la fonction map, en fait, pour vous faire une vue plus précise, ça permet de comprendre ce qui se passe. Et une monade, en fait, c'est juste un type constructeur qui est un functor avec deux nouvelles méthodes, une méthode join et une méthode unit. Ok, donc on respire un peu, ça va aller. Donc maintenant, Haskell et Scala vont implémenter des error control basés sur des monades. Donc en Haskell, il y a maybe, either. En Scala, il y a option, either, try. Il y a d'autres monades qui permettent de faire ça. On va prendre un cas classique en Scala qui va être la division par zéro. Je suis désolé d'aller un peu vite, mais il me reste 5 minutes. Voilà. Donc, vous avez une méthode qui va pouvoir vous retourner optionnellement un résultat. Donc, soit none, soit somme quelque chose, somme values. Donc là, vous faites une division par zéro, et puis votre output, c'est que vous avez somme une valeur quand ça marche, et vous avez none quand ça ne marche pas. Vous avez passé ça dans un map pour une série de valeurs et vous allez avoir le résultat, c'est assez immédiat, assez compréhensible. En fait, il y a une méthode flatMap qui va vous permettre de juste garder les résultats qui donnent un résultat cohérent. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais je perds les index, etc. Oui, c'est vrai, mais le use case là est un peu idiot. On peut imaginer dans des contextes, notamment de big data, où vous avez des traitements assez lourds à effectuer, de pouvoir garder des structures de données et uniquement les structures de données qui ont réussi, qui ont abouti à quelque chose. Alors après, si vous voulez garder vos erreurs, vous avez le case either. Donc votre première méthode va être toujours la même méthode divide et va soit retourner une erreur, donc qui va être indiquée par la structure de données, par le type left, et soit outputter le bon résultat avec write. Et ensuite, toute votre méthode, quand vous faites de la composition de méthode, toutes vos méthodes vont juste avoir implémenté un cas left-right, et ça va marcher. Donc si vous faites de la composition, donc là, c'est vous allez diviser deux entiers, et puis vous allez les ajouter. C'est très compliqué. Add1, Add2, Add3 sont rigoureusement identiques, font exactement la même chose. Add3, c'est les forts compréhensions de Scala qui sont assez jolies. Et ce qui se passe, c'est que dans ce cas-là, quand vous faites votre composition, eh ben, le premier println va vous donner le résultat, et le deuxième va vous sortir la première erreur qu'il a rencontrée. Donc ça vous permet de garder sur toute une chaîne de traitement les erreurs quasiment gratuitement dans la syntaxe de votre code. C'est assez élégant. Donc l'avantage, c'est que la composition est facilitée par ces monades. C'est vraiment simple, vraiment beau. Et ça vous permet de filtrer ou de préserver des erreurs sans réaliser des exceptions, et c'est vous qui choisissez le comportement final. Est-ce que c'est implémentable en Python ? Alors, les experts de programmation fonctionnelle diraient « ouais, il n'y a pas de type constructeur en Python, ça peut marcher, etc. » En fait, si on y réfléchit, c'est juste du plumbing, en fait. Et on peut considérer que ce type d'erreur control est juste un autre design pattern, en fait. Donc ça, c'est une implémentation que j'ai récupéré d'un slide de Bruce Ekel, la présentation à la PyCon. Vous pourrez recopier ça dans votre terminal et tester. Voilà, ça fait exactement le comportement qu'on a vu sur les slides précédents. Pour finir, je voudrais vous exposer rapidement mes règles. C'est que une exception où vous devrez vous indiquer un vrai problème dans votre boucle de code, en fait. Et avoir du code du flow normal dans un excès de bloc, vous devriez toujours considérer ça comme un code smell, que
vous faites quelque chose un peu mal. Autrement dit, si vous savez qu'une méthode, c'est dans son flot normal de retourner une erreur, bah, vous ne devriez pas réaliser d'exception, vous devriez utiliser une structure d'erreur retournée par la méthode. Et si cette méthode peut retourner une erreur, mais que vous avez besoin de l'utiliser dans une chaîne de fonctions, donc d'utiliser de la composition massivement, bah dans ce cas-là, utilisez des structures monadiques qui vont vous permettre de s'arrêter à cette exception, de retourner l'exception et de continuer les chaînes de traitement sur les valeurs qui marchent. Mes observations, et j'en ai déjà touché un mot, c'est que quand vous utilisez des return codes, souvent les linters sont un peu plus, vous aident un peu plus que si vous les utilisez des exceptions. Pour finir, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ces règles en fait. Mais ce qui est hyper important, c'est que quand vous commencez à designer votre programme et que vous dites, moi mon programme il va réaliser des exceptions tout le temps, réaliser des exceptions tout le temps, essayez d'être consistant de A à Z sur la manière dont vous allez exposer vos erreurs aux utilisateurs de votre librairie. Voilà, merci beaucoup et puis bah, j'espère que ça vous a aidé. Bah merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vais. Oui, j'arrive. L'implémentation de catch d'exception a changé en Python 2 et Python 3. Ouais. Est-ce que tu as un tricks pour gérer ça? Pour éviter les try, accept, pass? T'es peut-être arrivé un peu tard. En fait, j'ai vu que t'es arrivé en retard. Les try except pass, généralement, je les évite comme ça. Moi, je mets un context manager. Comme ça, tu fais un with ignore les exceptions que tu veux ignorer. Là, tu as un try yield except, tu vois, avec la liste des exceptions que tu veux ignorer. Et puis, au moins, tu peux loguer, quoi. Ça ne change rien parce que le as n'existe pas en Python 2. Python 2 7, il existe. Ok, si tu fais du Python 2 6. C'est vrai. Si tu fais du Python 2 6, t'es saut 2008, quoi. D'autres questions? Ouais, sur la fin de ta conférence, t'as dit... considérer que c'est dans le flow normal d'une fonction de lever une exception, alors au final c'est pas si exceptionnel et il faut mieux envoyer un return code, si je t'ai bien suivi. Ouais. Mais qu'est-ce que tu considères comme étant exceptionnel ou normal? Parce que à partir du moment où dans un bout de code t'as un raise machin, tu peux dire que c'est normal ou que c'est exceptionnel, enfin tu vois comment c'est quoi ton critère? Il y a un exemple vraiment tout bête. Quand tu récupères une clé qui n'existe pas dans un dictionnaire, en fait, tu as un raise key error. En fait. Mais ton dictionnaire te permet d'avoir une méthode get qui va te retourner un non ou la valeur que tu choisis en remplacement. Donc, ce que tu vas faire en fait, dans ces cas-là, souvent, c'est try, mon dictionnaire crochet ta valeur, accept key error, et là, tu vas mettre une valeur par défaut. Tu utilises dictionnaire.get, ta valeur, virgule, la valeur que tu mets par défaut. En fait. Dans ce cas-là, c'est inutile de passer par un except block. Ça, c'est un exemple trivial, mais si tu réfléchis à la manière dont tu designs ton code, tu peux réimplémenter ce genre de cas assez simplement. En fait. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais. Je répète pour le montage. C'est moi, ma question partait plus du point de vue de j'ai créé une librairie. À quel moment je lance des exceptions ou pas? Pas du point de vue je suis client d'une librairie et est-ce que j'attrape des exceptions ou pas? Alors je vais il y a 2-3 semaines, j'ai eu dur passer sur un bout de code au boulot là. Et je me suis rendu compte que je devais coller du code du flow normal donc pour
que mon démon continue à fonctionner de manière normale. Et en fait, je me suis rendu compte que la méthode que j'utilisais et que j'avais implémentée réalisait une exception qui n'avait pas vraiment lieu d'être, parce que c'est une erreur qui est considérée comme n'en étant pas vraiment une, en fait. Donc du coup, je me suis dit, si c'est une erreur, mais ce n'en est pas vraiment une, je ne dois pas la traiter comme une erreur. Et du coup, je dois changer ma structure de données qui est retournée par la méthode pour considérer que ce cas qui est quelque part une erreur soit considéré comme la structure de données normale, du flow normal, en fait. C'est au cas par cas. Généralement, quand tu te rends compte que tu commences à écrire du code de ton flow d'exécution normal dans un except block, généralement tu peux te poser des questions sur ce que tu as mis sous ton try, en fait. Déjà une question. En Python, d'après ce que j'ai compris, c'est assez idiomatique justement d'avoir souvent des exceptions, comme tu en as parlé pour les fins d'itération. Ouais. Et d'après ce que j'ai compris encore une fois, il y a beaucoup d'articles qui parlent du EAFP au lieu du LB. En gros, de soit on code de manière défensive et c'est beaucoup plus verbeux, soit on code de manière en se disant c'est plus facile de demander pardon que de demander la permission, et auquel cas on peut avoir du code qui est, je trouve en tout cas, beaucoup plus concis, lisible et parfois tout simplement pratique et enfin, utilisable. Je ne sais pas ce que tu en penses. En fait, je très honnêtement, je trouve que les exceptions sont sont l'usage idéal dans bien des cas. Ce que je veux indiquer, c'est dans ce conf, c'est que parfois ça ne l'est pas, en fait, et que le fait de considérer que c'est idiomatique en Python et que dès que j'ai un problème je réalise une exception est peut-être une erreur qu'on fait un peu trop rapidement. Et il y a aussi des cas où je trouve que les réalises d'exceptions sont un peu abusifs en Python, quoi. Je donne un exemple, os.makedirs qui raise un OS error à chaque fois que le répertoire existe, je trouve ça un peu relou, voilà. C'est mon avis. Après, sur la verbosité, je ne suis pas forcément d'accord. Quand tu vas faire un truc, une fonction un peu complexe avec deux lib, tu te rends compte que la fonction appLente, elle va devoir prendre soin des exceptions Python que tu vas qu'elle peut lever, prendre soin des exceptions de la lib 1 qu'elle peut lever, prendre soin des exceptions de la lib 2 qu'elle peut lever. À moins que tu fasses un except exception de point et faire un traitement générique. Mais à quoi ça sert de typer tes exceptions si tout le monde fait du except exception, tu vois? Voilà. Donc, je donne pas de solution absolue parce que j'en ai dans l'absolu pas, tu vois. Mais je pense qu'il est bon de se poser des questions quand au moment où on se met à réaliser une exception, en fait. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Voilà. D'autres questions? Il y a une question là. Est-ce que tu peux revenir sur la façon de faire des monades en Python? J'ai l'impression que tu es passé un peu vite. Oui, parce que j'avais un monsieur qui me levait les... Hop, non, c'est beaucoup plus loin, pardon. Voilà. Donc c'est une implémentation certainement comme une autre. Hein. J'avoue avoir pompé ça. Et tu peux expliquer rapidement? Alors, non. Je regarde parce que... Je peux regarder là. Quoi? Si tu peux pas expliquer... Je vais lever une exception. Non, je peux expliquer, pas de problème. En fait, tu as ta fonction f... va retourner un result de n, donc va initialiser une structure de données result avec le nombre si le nombre est supérieur à 10, sinon tu vas initialiser une structure de une classe fail
dans laquelle tu vas mettre le string toSmall qui en fait exprime l'erreur. Ensuite, tu vas faire un map sur cette méthode et tu vas avoir pour résultat, donc tu vas avoir un fail toSmall, puis ensuite tu vas avoir un result 20, un fail toSmall, result 60, fail toSmall. Ok? Donc au final, tu as juste changé le type de tes valeurs de retour. Mais après, si tu utilises une autre méthode qui doit utiliser cette liste, bah, tu vas pouvoir dire, bah, maintenant je vais utiliser ces résultats, et en fait il y en a un certain nombre qui ont été flagués en erreur par la classe fail. En fait. Donc avec un isinstance, tu vas pouvoir dire, bah, ça je garde cette valeur-là, c'est la première erreur qui a été levée, et sur le résultat, bah, je vais faire ce que j'ai à faire dessus, et puis ce résultat va soit me yielder un résultat, soit un fail, etc., etc. Et donc plus je vais composer mes méthodes, à la fin je vais avoir une série de résultats ou une série de fails ou une série de résultats et de fails au milieu, voilà, comme je veux. Bon, je propose qu'on s'arrête là. Merci Olivier. S'il y a d'autres questions.